Cinquième et dernière vidéo donc, pour l'utilisation de la fonction recherche V, on revient en fait ici dans le cas où on voudrait donc une valeur approximative, c'est-à-dire je vous rappelle la valeur proche 1. On avait déjà vu un petit exemple là-dessus hein, dans la vidéo numéro 1, donc là je vais faire un exemple un peu plus complet avec un tableau un peu plus grand, donc sous forme de classe. Donc les classes ont déjà été notées ici. Le souci c'est qu'Excel donc ne verra pas ici les chiffres, lui il va voir du texte. Donc on ne pourra pas ici lui indiquer par exemple que si la valeur par exemple c'est 5 alors 36 euros. Il faut absolument transformer cette classe-là en une donnée ici. On rappelle le principe, c'est qu'en fait ici, si on met donc la valeur approximative dans la fonction recherche V, il faut lui indiquer à Excel donc la valeur donc inférieure, donc la borne inférieure de la classe. C'est-à-dire ici, il faut commencer à 0. Et il faut lui indiquer à chaque fois les bornes inférieures, donc 10, 30, 50, 80, 100. Et alors, en fait, pour lui, 200, ça voudra dire donc 200 et plus de 200. Voilà, une fois que le tableau, en fait, ici est transformé, en fait, le premier, bien sûr, ici ne sert plus pour les calculs. Par exemple, ici, on va noter une quantité, 23. Et on va lui faire calculer avec la fonction recherche V, donc le prix unitaire en fonction de la quantité. C'est-à-dire ici 23, par exemple, pour lui, ça sera comme 10, puisqu'on voit ici que c'est entre 10 et 30, donc 33 euros. Donc fonction recherche V. Donc la valeur cherchée, bien sûr, c'est la quantité. On la cherche, cette valeur, dans le tableau précédent. Le numéro de colonne 2, et bien sûr ici, donc soit 1, soit vrai, correspondance approximative. On vérifie les données sont bien triées par ordre de croissance, et on avait vu dans la vidéo 1, on valide. Voilà, donc ça fonctionne ici. 23 en quantité, on a un prix unitaire donc de 33 euros. On vérifie par exemple ici pour 150, on a 24 euros, ça fonctionne, c'est comme 100 en fait ici. Et pour plus de 200, ça fonctionne ici, donc on a 23 euros. Voilà, donc c'est une utilisation assez particulière hein, qui consiste en fait à utiliser un second tableau hein, dans lequel on aura mis donc les bornes inférieures donc des classes.